Comme plusieurs pays d'Europe, le Maroc est lui aussi confronté à une flambée de nouveaux cas de personnes touchées par Covid-19. Le royaume connaît en effet depuis début août une flambée des contaminations, avec un millier de nouveaux cas par jour. Le pays de 35 millions d'habitants a enregistré jeudi 1325 nouveaux cas d'infection et 32 décès, ce qui porte le bilan depuis mars à 47 638 contaminés, dont 775 décès et 32 806 guérisons. Une situation qui inquiète les autorités et au tout premier chef le roi Mohamed VI. À défaut d'un respect rigoureux et responsable des consignes sanitaires, le nombre de contaminations et de décès a augmenté, a averti le monarque, soulignant que dès lors, les hôpitaux ne seraient plus en mesure de faire face à la pandémie. Si cette tendance haussière perdure, la commission scientifique chargée du suivi de l'évolution du COVID-19 pourrait préconiser un retour au confinement, a-t-il prévenu. Les répercussions sociales et économiques seraient rudes pour l'ensemble des citoyens. Selon lui, le nombre des cas confirmés, celui des cas graves et celui des décès ont augmenté en peu de temps plus de 3 fois par rapport à la période de confinement. Et le nombre d'infections parmi le personnel soignant a enregistré une hausse passant quotidiennement de 1 cas durant la période de confinement à 10 cas tout récemment.